Bien le bonjour, je suis content de vous retrouver pour une session semi-hivernale. On rentre fort dans l'hiver, les nuits sont vraiment froides, la journée fait encore bon, on n'est pas loin de décembre. Et donc je pars tout seul en essayant de trouver la carpe sur un secteur que je n'ai jamais pêché à la carpe. Du coup pour cette session, comme je vous dis, ça va être très compliqué je pense. On va essayer de chercher le poisson là où il est, en eau trouble, essayer de regarder des trouées, des fouilles, des arbres morts. On va essayer de pêcher intelligemment, j'ai tout le matos de carpe à remonter. C'est un secteur qui est assez shallow, je pense que le poisson se nourrit dans les zones shallow. De toute façon, l'objectif, comme vous le savez, c'est de faire au moins un poisson. C'est un triste objectif, mais c'est déjà mieux que rien. Ça serait bien déjà que moi, tout seul, pendant 3-4 jours, en période froide, j'arrive à toucher un poisson. Et à part ça, ben voilà, on va mettre la pêche en place. Merci beaucoup à Decathlon pour le matériel. Ils m'ont aidé pour renouveler mon matos que j'avais depuis très très longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Allez, je vous dis... Bonne vidéo, ça va être cool, je l'espère, même si je suis seul. Bon, on arrive sur le poste. Je remercie beaucoup les gens qui ont aménagé ce poste depuis des années. Quand je fais des vidéos, j'essaie vraiment de cacher au maximum les spots, les endroits où je pêche. Je pêche dans beaucoup de rivières et de lacs différents. J'essaye au maximum de jongler et de cacher toutes les structures, les choses reconnaissables. Et voilà, il faut le dire, merci beaucoup à ces gens qui tolèrent ça sur YouTube. C'est vrai que moi, quand je vois des spots que je pêche, affiché au grand public avec des vidéos où les gens ne prennent pas la tête de cacher des choses. Ça me fout un peu les boules, mais voilà, je tenais quand même à remercier la tolérance de ces gens-là qui s'en foutent et qui savent que je mens des fois sur la localisation où je suis. Et j'essaie de faire ça bien pour qu'on ne reconnaisse pas. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de matériel. Il faut que je fasse un peu le tri. Donc je me suis dit, je me charge, c'est pas grave. Mais au moins, je trie bien les boîtes et tout parce que là, c'est vraiment le dawa dans mes affaires. Il y a de tout partout, je m'y reconnais pas. C'était sport. Je voulais dire aussi un grand merci à Kylian du Sud, la chaîne YouTube de Kylian. Dans la description, c'est un monteur vidéo sur son temps libre. S'il a un autre boulot à côté, mais si vous avez besoin un jour d'un montage un peu qualitatif, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message ou même un commentaire YouTube, il vous répondra. Merci beaucoup à toi de m'avoir aidé, franchement t'as géré. Regardez-moi ce leak inside. Waouh! Je vous mets les articles dans la description pour ceux qui veulent connaître un peu les références. Je ne gagne absolument rien personnellement, mais ça m'est très peu égal parce que ils m'ont fait le plaisir de me passer deux trois trucs qu'ils ont, des Decathlon, un peu de matos à eux. Du coup, je vous laisse aller regarder tout ça s'il y a des intéressés. Bon, on va commencer à monter les cannes parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Bon, ça y est, la première canne est prête. Je suis allé assez rapidement parce que là, le soleil, il est prêt à se coucher. Franchement, très problématique d'aller au lit à 18h en hiver, mais on va essayer de rester éveillé un peu. Mais il faut déposer avant la nuit, quoi. Je viens juste d'arriver, je suis arrivé tard. Nouvelle canne. Petit montage basique, hein, clip long, émerillon, plomb de 80. Bientôt, je pense que je vais arrêter de pêcher avec des plombs-plombs, quoi. Je vais essayer de fabriquer mes propres plombs en pierre. Vous trouvez un autre système avec une tresse gainée, avec un petit hameçon en taille 4 si je dis pas de bêtises, ou taille 2, enfin 2 ou 4, un petit cheveu. On va pêcher à la Tiger Nuts avec cette canne. Super pratique ce kit, on en a 4, on a un truc pour percer, on a un très long et on a deux en fil bouillette normal. En plus ça réagit aux UV, du coup il y a moins de risque de les perdre. Tu mets un petit coup d'UV avec la lampe Decathlon et c'est parti. Ce qui est bien, c'est que ça fait un trousseau comme ça, du coup, ben voilà, hein. Comme un trousseau de clé, c'est bien. Bon, je vais vous montrer pour la première canne. J'ai pas pris énormément d'appât pour cette session. Je me suis dit, allez, on y va. Avec pas grand chose. L'eau, elle est limite pour la noix tigrée. Mais vu qu'il m'en restait, eh ben on va s'en servir. Oh là là, ça sent la chaussette comme jamais. La dépose de la première canne. On va essayer de faire ça bien, d'aller repérer avant la nuit. Et voilà, il n'y a plus qu'à les déposer. Bon, ben, je suis en reconnaissance un peu, là je regarde un peu où c'est que je peux déposer. En fait, il y a encore des herbiers en décembre, c'est complètement fou. Et là on peut voir que, bon il n'y a pas le filtre polarisant sur la GoPro, vous n'allez pas voir, mais on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a des herbiers, il y a un peu de courant. On est à la limite de ces donc, herbiers ici qui arrivent à retenir des trucs en surface, donc ça fait des zones d'ombre où les carpes généralement elles aiment bien venir. Donc ce que je propose pour la canne test, c'est de se mettre un peu n'importe où dans une trouée ici, faire un amorçage un peu large pour essayer de faire entrer le poisson pour qu'il fouille. Voilà ce que je pense les gars.
Ce qui est vraiment très problématique, c'est que je suis en nylon. J'aurais vraiment aimé pêcher en tresse, mais comme un idiot, je me suis dit je pêcherai en tresse la prochaine fois. Et ben voilà, tant pis pour moi. Ok, super. J'ai vu où j'étais. Alors, comme je vous ai dit, on va faire un amorçage un peu large. Et le truc, c'est faut que j'arrive à tenir 3 jours avec ces tigers, donc il faut que j'en garde, quoi. C'est bon, allez. Pour la première canne, je vais faire un test. Chose auquel je n'avais pas pensé, il y a un peu de courant, donc le plomb de 80 grammes il ne tient pas, la bannière elle revient pas, donc ça veut dire que le plomb il doit se déplacer au fond de l'eau. Quelle erreur. Bon, je vais essayer de faire vite, j'ai plus beaucoup de batterie. Pour la deuxième canne, je l'ai montée du coup à la bouillette, j'en ai mis qu'une seule, petit cheveu, plomb un peu plus lourd, mais bon, ça va rester sur ma bordure, donc ça devrait pas poser de problème. Monster Crab de chez Decathlon. Allez, on déplace des arbres sous l'eau pour pas que ça se tanque. Je vais pêcher juste là, le poste il est là, je pêche là, à la bouillette, dans 60 cm d'eau. J'espère que ça va être bon. Ça y est, je suis enfin en place. Après on va dire 2 heures et demie non-stop sans m'arrêter, remonter les cannes, les moulins, regarder un peu le matos, monter la tente, comprendre des choses, ranger un tout petit peu. Il n'y a plus qu'à attendre, j'ai mis un plan un peu plus gros, ça a fait une petite bannière, mais ça va, je pense qu'il y a moyen que ça le fasse. Super t-shirt. Bref, regardez ça les gars, c'est rangé. Hein. Petit setup, installation dans le salon, table à manger, ma petite chaise d'X-Racer, ici on a un peu de matériel là, une petite pelle pour aller faire caca comme père. Le super tanker de chez Decathlon. Donc je me suis pas encore trop penché sur la chose. Je l'ai monté vite fait pour pouvoir mettre des affaires là-dedans. Là-bas c'est le bordel avec la glacière. Ici on a le waders au cas où on peut aller faire peut-être une belle prise de carpe photo là-dedans dans l'eau. Là. Bref, ensuite on a le magnifique tapis de réception de Decathlon. Vous devez le connaître celui-ci. Ça fait une paire de temps qu'il est sorti, mais je le trouve vraiment pas mal. Je suis vraiment très content d'avoir ce tapis de réception. Ça fait des années que j'attends d'avoir un tapis de réception digne de ce nom. Et j'ai l'impression que ça y est, je suis enfin récompensé. Merci beaucoup, Decat. On a la nouvelle épuisette aussi de chez Decathlon. Regardez ça, ce beauté, ce bijou. La canne montée sur deux piquets, du jamais vu pour du castar fishing. Le moulinet, franchement... Pour le peu que je m'en suis servi là, pour aller déposer et remplir le frein, je me suis régalé. Il a l'air vraiment pas mal, il est assez joli, je trouve que le design est pas mal. Ok, la canne aussi, la Xtreme 900, elle est là, elle est rin de game. Donc là, ça pêche à droite là-bas. Ça pêche à peu près vers là-bas, au ras de ces herbiers. Ensuite, on a le bateau aussi. Hein, vous le connaissez tous, le Ventus Decathlon. On a pêché quelques silures à la mouche avec. Avec JB, avec Julien, on est parti en session aussi, super. Et là on a cette canne de Johnny qui est là. La Xtreme aussi, même moulinet. Et on pêche juste là-bas. Hop. Vous l'avez vu tout à l'heure, je suis allé déposer au ras d'un herbier, j'ai enlevé un tronc, j'avais des problèmes avec la batterie. Et il me semble qu'à l'époque, quand je suis passé, j'avais vu des poissons manger dans très peu d'eau, juste à côté de cette branche que j'ai dégagée. Allez, le but, ça va être de bien pêcher, pas trop brider le poisson pour pas le perdre, pour pas décrocher ou casser. Et voilà, regardez un ragondin là-bas, là, mon cousin. Kevin ! Il y a un truc qu'il faut absolument pas que j'oublie, c'est d'attacher le Zodiac. Ça m'arrive tout le temps, sauf que là, je suis tout seul, il y aura pas Julien pour venir m'aider. Ça va être un cauchemar, gobert. Hop, le piqué, le bateau en attache. Je vais être bien ici, là, pendant quelques jours, tout seul. Je pense qu'on a eu le droit de boire un coup. Eh oui, eh oui, eh oui. Une petite bière d'adolescent. Ah, je suis pas venu ici pour me bourrer la gueule, mais on va boire un petit coup.
Après, le problème de cette bouteille, c'est qu'une fois qu'elle est ouverte, ah ben, faut la finir. Et ça, c'est un vrai problème. Elle est super fraîche en plus. Lindemann's Creek Lambic Beer. 3 degrés. Je vais pas me faire mal avec ça. À la vôtre. Oula. Oh non. Quel cauchemar. Faut un tire-bouchon. Non. Mais c'est une prank avec Momo, ça. J'en ai pas de tire-bouchon, moi. Non, mais sans déconner, ils se foutent de ma gueule. Bon. On essaye des choses. J'ai pas l'astuce, moi. Je suis pas un buveur de champagne. Oh putain, oh putain, copain. Oh merde. Putain, je suis vraiment un Johnny. Ben c'est bon, hein. Ma couillasse. Waouh. Super. Wesh, ma couille. Eh, passez boire un coup, soirceux. Ça y est. Ça fait 2 heures, je suis tout seul en pleine nature, je deviens fou. Oula. Oula, 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 oula. Ça faut surtout pas ouvrir, ça. Quel cauchemar. Allez, ça pêche depuis peu de temps. J'espère quand même que ce soir, on va voir si ma pêche a été intelligente. Si c'est pas le cas, ben demain, on changera tout ça. Mais je vais pas réfléchir à une nouvelle stratégie. Enfin, je vais y réfléchir, mais je vais pas changer de stratégie dans la nuit. On y voit que dalle et tout ça. J'espère que ma stratégie va être payante, au moins pour cette première nuit. De 18h à minuit, je vais vraiment m'ennuyer, quoi. Il va faire nuit. D'habitude, je me couche, il est 4h ou 5h du matin. Je vais essayer d'aller me coucher vers minuit. Ça va être très compliqué. On va essayer de s'occuper, faire un petit feu, ranger, essayer le nouveau lit. Voilà, on va s'occuper. Bon, il est même pas 19h. Je vais aller déposer notre canne, ma canne à silure. À nos bas. Avec du foie et du frolic. Je vais pas pêcher au vif de nuit. De toute façon, je ne pêche pas au vif. Et ça m'occupera peut-être. Après, je sais pas du tout s'il y a du silure dans le secteur. Juste devant moi, là. Ça me paraît compliqué, mais je vais aller déposer ça. Je vais baigner ici. Et puis, c'est tout. Il n'y a vraiment pas d'eau. J'ai aucun espoir de faire un silure. Alors. Oh, les pelés, ils sont... Les frolics, ils sont tout mous. C'est ouf. Oh, ils sont imbibés d'huile de sardine. Laisse tomber l'odeur. Et de foie aussi. Foie cristallisé. Impeccable. Hop. Ben voilà. Ça y est. Ça pêche. Bon, il est 19h30. Je vous avoue, j'ai les crocs. Niveau gustatif, là, on n'est vraiment pas fou. On a acheté que, mais que du surgelé éclaté. Ça va pas être le repas de l'année, mais on a de quoi tenir quelques jours, les mecs. J'ai eu un petit bip sur la canne à bouillette et la canne à silure, la clochette bouge un peu de temps en temps, donc ça doit aspirer aux alentours. Ils sont congelés de ouf. Je les remets dedans, ça va me servir de pain de glace, je vais manger autre chose. Oh ben voilà. Charles. Un sandwich Charles ce soir. Les gars, j'ai pris un sandwich Charles. Voir ce que ça vaut. Bon, je vais être honnête avec vous, pour manger un sandwich déjà préfait qui a été congelé, c'est grave la mission. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Il y a de la viande partout, c'est le cauchemar. Aïe, ça brûle. Oh, merde. Ah ben, c'est brûlé, oui, plutôt. Oh non. Ça c'est bien cuit, ça tue. Bon, bah, il va finir de cuire comme ça. Et puis c'est tout. On est quand même bien tout seul en pleine nature. Même s'il y a des gens pas loin. J'ai pas voulu prendre de maillot. Je me suis dit c'est trop gras.
Du coup, j'ai pris ça. Du confit d'oignon. Jean-Martin en Provence. Merci Jean-Martin. Alors, ok, c'est un petit silure, c'est sûr. Certain. Ça déroule même pas ici là. Ça prend même pas de fil. Alors là, on est sur un pin. Si vous êtes pas prêt. Hein. Qu'est-ce que c'est cool la clochette, ça rappelle des souvenirs. Ça met les coups de tête, hein. C'est pas un bébé silure, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est sûr à 99% que c'est ça. Oh, le gigapins! Franchement, là, je veux bien pêcher ton arrière grand-père. Et voilà, le premier poisson de la saison. Espèce de coquinou. Bon, tu m'auras occupé. C'est bien. Où c'est que je le remets, ce geg? Là. Hop, sous l'épuisette. Et voilà, ça repart. Bon. J'ai mis littéralement plus de 30 minutes pour allumer le feu. J'ai vraiment galéré avec le froid et l'humidité. Et encore, ça va, c'est en conditions pas trop difficiles. Cette nuit, j'ai bien dormi sur le nouveau bed. J'ai fait zéro carp, zéro bip. Il s'est rien passé du tout niveau activité pêche, quoi. On va aller retendre tout ça. Et pourquoi pas prendre la canne à mouche pour voir si on voit pas du poisson en déplacement de bon matin. C'est un peu relou, hein. Mais bon, c'est pas si grave. Il va falloir que je me motive un peu aujourd'hui, que j'essaie de comprendre un peu le sens de l'eau et si le poisson se nourrit. Si voilà, je vais aller voir déjà s'il me reste ma bouillette au bout, si elle a été mangée par des écrevisses. On a des choses à comprendre pour essayer de faire un poisson aujourd'hui. Je vous l'ai dit, l'objectif c'est de faire un poisson. Quand on approche décembre comme ça, pour moi la pêche déjà c'est fini. Et bon, là je me suis motivé. En espérant faire quelque chose, on va se donner les moyens pour essayer de faire au moins une carpe. Bon, sur ma canne de gauche, il y avait plus d'appât. Et sur ma canne de droite, ça pêchait bien, il y avait encore l'appât. Si vraiment ça n'a pas mordu sur la canne de droite, là, à la noix tigrée, au ras des herbiers, ça va être dur de trouver la pêche. On va peut-être y arriver. Faut que je réfléchisse. Dans un café viennois, je bois un café vanille. Toujours garder ses réserves de café en poudre. Comme ça, ça te sert de verre en cas de galère. Comme père. Ah, c'est chaud ma couille. Il y a quelques fouilles, hein. Il y a quelques trouées, il y a quelques poissons. Il y a du fish. Il va falloir que je tarde pas trop à rentrer. J'aime pas trop savoir mon camp, enfin mon camp établi dans l'insûreté. Putain, je dis n'importe quoi. Non, mais laisser ma tente et tout, mes affaires toute seule comme ça, ça me plaît pas du tout. Bon, c'est une super belle journée. Par contre, de cet après-midi jusqu'à demain après-midi, ils annoncent 30-50 de vent. En gros, c'est la merde. Ça va être compliqué. Mais bon, on va rester là, on va essayer de garder le moral et pourquoi pas, ça va déclencher la pêche. Faut se donner un petit espoir. Le calme avant la tempête. J'ai regardé la météo, ça monte jusqu'à 50. Le vent cet après-midi, on va voir si ça s'avère vrai. Bon, mais toujours rien depuis que je suis allé déposer les cannes. Ça doit faire un bon 30 minutes, une heure là. Je sais qu'il y a du poisson qui se nourrit un peu plus haut, à genre 150 mètres. Je me dis que là, vu le soleil, ça doit venir bouffer un peu et on peut potentiellement avoir un départ. Oh, un petit sanglier. Bon, les mecs, aujourd'hui, pour ce midi, ça va être un repas de décathlon lyophilisé. Semoule aux légumes. Oh là 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 là, ça a l'air d'être incroyable.
Bon ben, mes onion rings, ils sont mieux qu'hier. J'ai été bon là. On va se la régaler avec mon petit confit d'oignon. Oignon rings confit d'oignon. Je vais péter comme jamais cet après-midi. Mmh, c'est super. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ah. Il y a un vent, des ténèbres, des rafales de malades. J'avais une bannière de fou là-bas et ma canne de gauche, ça faisait de merde aussi. Du coup, j'ai mis mes deux cannes devant moi. En attendant qu'il n'y ait plus de vent, je vais faire une pêche de bordure devant moi. Ça se trouve, ça va être ça la pêche. J'en ai aucune idée, je jette du bord. Et puis on verra bien. Allez, bonne sieste. Waouh. Faut pas que je prenne un arbre sur la gueule, hein, s'il vous plaît. Hein. Bon, pardonnez-moi, hein, c'est une vidéo blabla, je fais que parler. Un poisson jusqu'à présent, un silure comme vous avez vu. C'était difficile là, avec le vent. Du coup, je suis allé me caler dans la tente. Je pêchais devant moi, comme je vous expliquais tout à l'heure. Là, je suis allé rejeter un peu plus loin. Je suis allé voir une trouée en face. Le vent s'est un tout petit peu calmé. Mais il y a des très grosses rafales. Ça reste très compliqué. Et ça fait 24 heures que je suis là. Un poisson, un pins, de nuit, au foie. C'est pas la folie. Une carpe, hein, c'est l'objectif, je vous l'ai dit. Je pêche jamais en cette saison. Il faut vraiment que je pêche bien. Je me donne encore 24 heures et si ça donne rien, je pense que je vais bouger un peu plus haut pour essayer de taper un poisson sur un autre secteur, enfin sur un autre secteur, sur un autre poste. Voilà, ça reste difficile. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh, c'est tout petit. C'est un silure, je crois. Non ? Non. Oh là là, c'est un carassin, je crois. Oh là là, c'est un bébé de chez bébé. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est Bouillette qui a mordu. Ah ben non, c'est un bébé carpe. Ma pauvre petite. Tu es toute petite. S'il te plaît, arrête. Bon ben voilà, la première carpe de la session. Elle fait 200 grammes. Eh hey, ma petite, va-t'en. Bon, mais je suis à deux poissons, un bébé silure, un bébé carpe. Pourtant, c'est la saison froide et l'eau commence à être vraiment froide et normalement, les beaux poissons sont censés se nourrir avant vraiment le gros hiver. Bon, mais pour fêter cette magnifique carpe de 2 cm, je vous montre le festin que j'ai préparé. Oh là 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 là. Alors, c'est une très très mauvaise idée de faire ce que j'ai fait. Des espèces de gratins comme ça, là, pour une personne. Bon, je fais cuire les 4 parce que j'ai faim. J'ai mis 2 coquilles Saint-Jacques aussi. Je sais pas du tout ce que ça va donner la cuisson. Je pense que ça va être de la merde. Je pense que le gratin, il va passer à travers les trous quand je vais essayer de retourner la grille ou j'en sais rien. Mais bon. Eh ben, figure-toi que c'est pas si mal. Vu qu'on peut pas trop cuire le dessus, on va dire, et qu'on peut pas tourner la grille. Mais au final, j'ai mélangé, là, les Saint-Jacques. Et ça va. C'est mangeable. Quel plaisir. Oh là là. Eh ben, franchement, les gars, je vous dis la vérité, c'est super bon. Un repas à moitié préparé qui, au final, n'en est pas un. En attendant le prochain départ. Si j'en ai un avant la fin du week-end, eh ben, j'aurais quand même mangé 4 Saint-Jacques et 4 petits trucs comme ça. Les trucs que tu manges à Noël, généralement t'en manges un quoi. Et moi j'en ai bouffé 4. En fait, je suis en train de me faire un repas de Noël tout seul au bord de l'eau. Regarde-moi ça. Mmh, cette bonne petite purée. Oh là là, mais quel régal. Ça ressemble à rien, mais je peux vous jurer que gustativement parlant, c'est exceptionnel. Eh ben c'est pas facile tous les jours. Alors on va essayer de faire vite, sinon le courant et le vent, ils vont m'emporter autre part. J'ai les mains vraiment. Le mec qui vit dans la rue. Hein. Bon, j'ai plus beaucoup d'un. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, oh.
C'était chaud. Bon, les gars, je vous passe les détails à chaque fois de mes déposes, des choix de mes nouvelles stratégies. Je vais pas faire une vidéo que sur ça, mais juste pour vous dire que je suis très très actif. Hein. Je vais de nuit là déposer à droite à gauche, déposer mon foie, déposer la canne à carpe. Je regarde s'il a toujours les bouillettes. J'essaie de faire des mix, j'essaie de trouver des nouveaux spots. En vrai, je suis ultra chaud quand même d'essayer de faire des poissons. Parce que là, le récapitulatif, c'est un poisson par nuit jusqu'à présent. Une carpe, un silure et deux bébés. Donc c'est très très maigre, voire même anorexique. Mais c'est pas grave, on persiste. J'essaie de faire au mieux. Bon, ben, je suis levé depuis 7h du matin. Je suis réveillé depuis 6h. J'arrive plus à dormir, j'ai dormi 5h. Enfin, on s'en fout de ma vie. On va se faire un petit feu, un petit café. Il est impossible pour moi d'aller sur l'eau avec ce vent et ces rafales là. Regardez ce courant qu'il y a pour aller redéposer ou pour aller essayer de faire du silure à la mouche. Du coup, bah, on attend et on va relancer du bord une canne. Et puis soit on se casse, on rentre à la maison. Soit j'attends que le vent se calme d'ici quelques heures et je remonte un peu le plan d'eau en espérant trouver quelques poissons, faire une pêche de journée. Ou si je suis motivé, je refais une nuit, j'en sais rien. Je vous avoue, je suis dépité. Je fais pas de poisson, pas de départ. Enfin, je fais un poisson par jour. C'est un poisson de 500 grammes. C'est un peu problématique. Vous entendez cette rafale de vent là ? Ben, c'était ça toute la nuit. Ça fait bouger et grincer tous les arbres ici. C'est pas évident. Hein. Venir tout seul à la pêche comme ça quand il y a un vent de ouf, c'est un peu... tout sauf recommandé quoi. Bon, ben on se retrouve après une nuit vraiment gelée, très très froide et une nuit assez mouvementée. Franchement, j'aurais pas cru. Hein. Du coup, ben, hier, j'ai presque rien filmé avec la GoPro. Je me suis tâté hier, c'était la journée où je devais prendre une décision. Soit je rentrais à la maison, soit je faisais une dernière nuit. Les gars, quand j'étais en live, m'ont beaucoup aidé. J'ai lancé un live qui a duré 13 heures et avec une super application. Là, du coup, j'ai pu aller de partout sur l'eau avec le bateau. J'ai pris donc le téléphone avec moi. Donc les gars, ils ont pu suivre l'aventure. Ils étaient à peu près 250. Merci à eux d'avoir été là. Et avec eux, ben, j'ai eu un regain de motivation et au lieu de me casser, ben, je suis resté. Et j'ai décidé de venir pêcher ici. Mais hier, j'ai fait énormément d'allers-retours pour aller déposer des cannes, pour revenir, pour amorcer. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et donc, ça n'a rien donné. Et ensuite, je suis venu ici. Je suis arrivé de nuit. J'ai choisi ce poste-là par dépit, on va dire. Bon, les gars, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Je vous avoue que je suis un peu démoralisé. Et avec mes gars, on a décidé de rester sur le plan d'eau, mais sur un autre secteur. Du coup, j'en profite pour tout plier. Ça pêche encore un peu. On va essayer de se donner une dernière chance. J'ai remonté tout le plan d'eau, là. On s'est posé juste là, on a trouvé un petit poste. Et je me dis, pourquoi pas essayer de pêcher une canne, là, juste sous le poste, en fait. Hein. Ça me semble pas si mal, sous des branches, juste là. Je pourrais limite même venir amorcer du bord. J'espère en tout cas pouvoir déclencher une carpe là pour cette dernière nuit. Je me donne tous les moyens comme vous pouvez voir. Petit amorçage bah, léger parce que j'ai plus rien quoi. Monster crab, scopex, maïs mélangé. On va mettre que quelques poignées. Et j'avais aucune conviction. Je suis arrivé trop dur à pêcher. Il y a des arbres morts de partout. Il y a des troncs partout. La berge est assez étroite. Il y a du courant. Ouais, je suis allé voir la bordure en face. C'est mort, de chez mort. Donc en gros, la bordure en face est impêchable. Bon, on a déjà les deux cannes à carpe qui pêchent. Faut qu'on monte le camp et qu'on aille chercher des vers. Ce qui fait chier, c'est que c'est tout humide. Ça veut dire que demain, on va tout replier humide. Trouve-moi un petit trou là-dedans, ma couille. En vrai, je le sens super mal. La canne de gauche, ça pue la casse. La canne de droite, celle-là, là-bas, là, c'est pareil. Je suis chez un privé. En fait, il n'y a rien qui va. J'espère que ça va être bon, mais je le sens trop mal. C'est très particulier de pêcher là. Et bon, bref, jusqu'à minuit à peu près, on n'a rien fait. Vers minuit 30, j'ai décidé de relancer mes cannes. Donc à la bouillette, hein, Monster Crab de chez Decathlon. C'est pas un placement de produit, c'est moi qui l'ai payé, ma couille. Et au final, je mets les deux cannes au Monster Crab. Canne de gauche, jetée du bord. Ouais, c'est bon, je me suis dit, bateau, ça sert à rien ici, il y a des troncs partout. Donc je vais jeter sur ma bordure, là, ici. Et canne de droite, pareil, sur ma bordure, mais un peu plus loin sur la droite, là, bref.
Vers 3h du matin, départ très léger. Et moi, je me suis dit, avec tous les troncs qu'il y a, il faut absolument que je me motive là. Il faut que j'aille vraiment rapidement sur les cannes. Je sais pas du tout quelle heure il doit être. Je sais pas du tout quelle heure il est. Petit bip, franchement, il fait très très froid. Tout est mouillé, humide. Et j'étais super bien calé au chaud. Bref, bip bip bip, ça déroule de ouf. Et là, on a ce magnifique fiche qui va nous rendre visite. Hop, petit combat au calmus. Comme la première à peu près. Un baby carp. On va la décrocher. Voilà. On peut mieux faire. Mais bon, je donne tout ce que j'ai, les gars. C'est pas faute de me donner les moyens. Je vous raconterai ça demain matin. Je fais un pince par soir. Premier soir, un bébé silure. Deuxième soir, un bébé carpe. Et troisième soir, donc hier soir, cette nuit-là, encore un bébé carpe. Je deviens fou. Et je me dis, putain, là, je me suis réveillé en pleine nuit. Il caille de ouf. C'était gelé, tout était mouillé. Il faisait vraiment froid. Je pense qu'on avoisinait pas loin des zéros. Hein. Du coup, j'arrive à me recoucher tant bien que mal. Je remets la canne. Je me dis, bon, allez, on est là pour une nuit. Il faut être motivé. Et là, vers 3h du mat, donc 3h, vers 6h du mat, pardon, 3h plus tard, départ. Ça me fait à peu près la même chose. Ça me fait un petit bip bip bip. Ça se calme et ça reprend de plus belle. Là, je me dis, ah, c'est un peu plus sérieux. Du coup, je suis sorti, tac, je prends la canne. Combat, beau rush, tout ça, beau combat, pas si mal. Mais pas un combat non plus qui a duré 10 minutes. Hein. C'était très rapide, ça a duré 3 minutes. Hop, je suis allé chercher les puisettes et puisetés. Je vous montre ça. Après tant d'efforts, franchement, je pense que c'est mérité. Vraiment, j'inaugure enfin le tapis, un super poisson qui n'est pas très gros, mais qui régale grave. Elle n'est pas très contente. On va essayer d'être vraiment super rapide, pour pas trop l'emmerder. C'est bon, ma petite, ça va le faire. Un super combat avec un super poisson. Je vais me dépêcher. Waouh, je sais pas si vous voyez bien. Mais merci beaucoup, ma petite. C'est cool. J'ai vraiment galéré pour en arriver là, pour toucher un poisson comme ça sur cette rivière sauvage. Que des petites, pas beaucoup de résultats, pas beaucoup de chance. Et puis là, dans un froid de fou, j'arrive à toucher ce fiche. Il m'a fait un beau combat. Un poisson qui est un peu abîmé. C'est pas moi qui l'ai abîmé, ça. Ça date de longtemps. Ça fait un bail qu'elle est comme ça. Mais c'est super sympa. Merci la rivière. Pour ce poisson magnifique. Allez, je vais aller la reposer dans son milieu naturel. Pas pratique pour la vilise. Ah ben voilà, ça repart direct. Super poisson. Trop content, bon. J'ai galéré grave pour toucher un poisson sauvage. Sur cette rivière là. Je vous raconte ça demain. Du coup, super content. Pour moi, l'objectif est accompli. L'objectif est réussi. On a réussi à faire ce poisson tant attendu. Ça reste pas... non plus un big fish, hein. C'est, je sais pas, entre un poisson entre 5 et je dirais même entre 4 et 7 kilos. J'ai pas trop eu le temps de l'estimer ou autre, enfin, je pense qu'elle faisait 5-6 quoi. Du coup, je relâche ce poisson, tout ça c'est bien. Je rejette la canne du bord, petit amorçage maïs à la main et je retourne me coucher. Et là, ben, y a à peu près une heure, donc vers 8h45-9h là. C'était 3 heures à peu près, il y a eu départ. Départ de psychopathe. Mais vraiment, départ de ouf. Oh, je me lève au plus vite, il faisait jour. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce que je fais? Je prends la GoPro ou pas? Attaque. Du coup, je fais, allez, non, faut que je prenne la canne. Là, je prends la canne. Je serre bien le frein. Oh, combat de ouf. Une déroule de malade. Je me demande si c'était pas un silure d'ailleurs. Et inarrêtable le truc. Et à un moment, je commence à brider, je bride. Et puis au moment où je commence à brider, je sens que ça frotte.
c'était déjà sous les troncs. Et je me suis dit là, c'est lui ou elle ou moi, tu vois. Où je mouline comme un porc, hop, j'essaie de reprendre le maximum de fil, je reprends un mètre. Et là, ça part et ça a éclaté. Donc pour moi, je pense que c'était un silure. C'était vraiment très puissant. Après là, il y a du courant, donc après même une carpe de 12 kg, 10 kg, elle aurait pu me faire un truc comme ça sans problème. Mais c'était vraiment très très violent. Donc c'est une casse. Donc le compte au final, c'est quoi? Le compte goutte, c'est deux bébés carpes, pardon, un bébé silure, une belle carpe, une casse. Et hier, un silure manqué quand j'étais en live aussi. Je sais pas si je l'ai toujours. Merde. Non. Non. C'est la décroche. Du coup, je vous mets la rediffusion du live qu'on a fait avec Méga qui dure 13 heures dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. S'il y en a qui veulent regarder par curiosité, après je suis désolé, mais on était dans un mood un peu où on rigolait, on déconnait. Méga, moi qui me regarde sur internet, sur Twitch, on se taquine un peu, donc il y a pas mal d'insultes et de taquinerie un peu mauvais goût, mais ça reste drôle si t'es un peu dans le même humour que moi, on va dire ça comme ça. Il y a eu un truc super drôle aussi avec une mouette que vous allez pouvoir retrouver dans le stream. Avec une mouette, avec un piaf qui est passé, qui était blanc, un semi-goéland cormoran AliExpress. Mais en tout cas, écoutez les gars, objectif réussi. Là, on est dimanche, du coup je suis arrivé jeudi moi. J'ai commencé à préparer le matériel chez moi mercredi, bien comme il faut. Jeudi, je suis arrivé, j'ai pêché sur le même poste jeudi, vendredi. Et samedi soir, donc hier soir, je suis venu ici. Là, on est dimanche matin, on se rapproche des midis. Je vous avoue que j'attends que le soleil se lève bien, qu'il sèche un peu tout mon matos là. Et après, je pense que je vais rentrer chez moi. Avoir une casse ici alors que c'est encombré de fou, ça va vraiment me mettre dans un mauvais mood. Je déteste casser. Après, je savais qu'en venant ici, c'était assuré qu'on ait peut-être une casse. On l'a eu. Une pas deux, j'ai envie de dire quoi. Ça serait bien qu'on limite la casse. J'ai cette canne par contre qui pêche là, juste là. J'en laisse quand même une pour le moment. Je vais remonter la deuxième tranquillement, mais je vais essayer de me réchauffer aussi. Il fait vraiment froid. Enfin bref, on se dit à tout à l'heure. Bon, super, gros problème de batterie. Regardez, poisson surprise qui fait très plaisir. Wow, malheureux. Franchement, à la bouillette. À la bouillette, les gars. Je fais un super barbeau. Il est vraiment beau. Hein. Il m'a mis un combat pas dégueu le type. Hein. Ça va le faire mon petit jeune. T'inquiète. Regarde. Tout doucement. C'était vraiment bien piqué. Arrête, s'il te plaît. C'est bon. Ah ben super barbeau à la bouillette. Excellent. Arrête, tu vas y retourner. Désolé de t'avoir embêté, ma couillasse. Poisson surprise. Quel plaisir. Allez, salut. Tu peux y aller, mon grand. Allez. Alors. Et voilà. C'est réglé. Juste avant de partir, j'ai tout rangé. Et la tente, vu qu'il y a eu la rosée, elle est mouillée. Et si je la remets dans son sac comme ça, c'est grave la mission. Elle va moisir. Bon. Il est temps qu'on parte, je crois. Je me fais virer par un clébard. Et pas n'importe lequel. Hein.
Franchement, une gestion de matériel de fou. Je vais galérer grave pour rentrer jusqu'à la voiture. Hein. Tout charger, ça va être la mission. Et après, il faut que je retourne chez moi au garage, déposer ce que je dois déposer. Après, il faut que j'aille déposer les trucs à l'intérieur de chez moi. En vrai, j'ai pas fini de ranger des trucs. Et merci beaucoup encore une fois à Decathlon de me permettre de m'avoir fait confiance et de me permettre de pouvoir pêcher un peu mieux avec un peu plus d'équipement. Merci de m'avoir sauvé le capot, le poste. Là, je pense que je suis bon pour pas mal d'années, si tout va bien. Il va falloir qu'on retourne chercher des monster crabes. Ça a fait la différence. Je suis choqué que les tigers n'aient rien fait, n'ont rien pris, mais les monster crabes, ça a bien marché. Je remercie beaucoup d'avoir suivi. Si vous voulez me soutenir pour tout le taf que je fais, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Et puis sinon, pour le reste, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut, peace, bisous. Les gars, j'en parlais hier, quand j'étais en live, je disais que ça serait super bien que je trouve un poisson mort. Et puis là, comme par hasard, juste devant moi, il y a un poisson mort qui flotte là. On va aller voir s'il est récupérable. Et je vais mettre ça au silure en attendant. Je vais rester encore 2 heures, je pense, 2-3 heures, le temps de plier tout ça et que ça sèche surtout. On va aller regarder ça. Enfin, on dirait un poisson mort, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, mais ça a rien à voir, c'est de la mousse. Oh non, ça ressemblait tellement à un fiche. Bon, mais c'est bien.